Personne pas pour saper, saper. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Top FM pour l'émission Radar les Pep, Mervyn Beaton au micro. Aujourd'hui, thème qui nous pour causer, discuter, c'est l'arrestation de Rama Valaiden par la Special Striking Team ce matin à son domicile. Est-ce que cette arrestation par la Special Striking Team lui suive la cour normale des choses? Est-ce qu'il est légal? Est-ce qu'il nous peut assister à la mise en place d'un climat de frayeur, de répression? Est-ce qu'il est comme ça qu'il y a dit, d'un État qui se dit démocratique? Est-ce qu'il tout ça dans les affaires là peut arriver? Il y a un commentaire qui fait qu'il dit comme ça, qui quand il concerne ban dimoun gouvernement, ban ministre, ban proche du gouvernement, qu'il y ait la police, qu'il y ait l'ICAC, je te fais un petit peu de plaisir. Mais quand il concerne ben, nos opposants, pas seulement politiques, mais ben, des gens qui lèvent la voix contre le régime du jour, vite, vite, ben, l'institution de l'État, la police, l'ICAC et autres, agir contre ces gens-là. Donc, est-ce qu'ils sont capables de causer l'indépendance? Est-ce qu'ils sont capables de continuer comme ça? Est-ce qu'il est non un grave... Pépé enfreint gravement à la liberté d'expression de ban mauricien. C'est ce qui nous peut essayer de connaître aujourd'hui à la lumière de ce qui finit arrivé avec maître Rama Valaiden. Nous rappelons un petit peu chronologie de ce qui est arrivé aujourd'hui. Rama Valaiden finit arrêté ce matin, Kotli, à Paille, aux alentours de 7 heures, parce qu'il tenait ban propos contre la Special Striking Team d'une émission radio le 5 mai dernier. Donc, est-ce qu'il est normal que Special Striking Team l'y plaignant lui-même, l'y arrêté lui-même et que l'y enquêté lui-même? C'est ce qu'il nous peut discuter aujourd'hui dans sa l'émission-là. Mais au-delà de ça, nous rappelle aussi qu'il enquête fin fait aujourd'hui. Il amène Rama Valaiden aux alentours de 8 heures aux casernes centrales. Il est accompagné de ce tifi qui est également un avocat. Qui est la case, les qui arrive, ça va nous faire là. Son épouse, Taslima Valaiden, qui a quitté les enfants, l'école, ça l'est là. Après ça, Rama Valaiden est assisté par un panel légal qui vient, Sanjiv Tilagdaria, qui est ça, José Moi, également maître Jacques Pangleuse, si et non les autres hommes de loi, et non, Mokoy, et non, Pravishnak Chedi, aussi qui est parmi sa panel là. Après, Rama Valaiden il traduit en cours, sauf qu'il mettait contre lui, c'est conspiracy to pervert the course of justice, c'est-à-dire un complot pour pervertir le cours de la justice. Donc, nous pouvons discuter ça ici. C'est quoi cette chose? Est-ce qu'il tenir la route sa chose là, de sa case là, ce qui peut reprocher à Rama Valaiden? Et que pour la suite, Rama Valaiden est traduit en cours, que normalement, il faisait payer caution pour qu'il gagne libération conditionnelle après qu'il ait payé une caution. Je fais une refuse pour payer caution et qu'il gagne un non-monetary bail. Ça veut dire qu'il n'est pas payé pour qu'il gagne caution. Ce ban avocat fin aussi mettre ban motion. Je dis comme ça qu'il Special Striking Team pas capable. Enquête, loin des affaires que lui-même l'infère en plainte. Donc, autant de choses que nous pouvons discuter aujourd'hui dans cette émission-là. Nous avons avec nous le plateau, maître José Moi, qui est un des bons avocats qui fait partie du panel légal de Rama Valaiden. Maître José Moi, bonjour, bon après-midi plutôt, bienvenue dans Radar les Pep. Bon après-midi, Mervyn, bon après-midi, Neil Kant, bon après-midi, Pep Mauricien. Nous avons Neil Candelou, également avocat qui est à nos côtés dans cette émission pour qui nous capables de discuter de tout ce qui peut arriver, ce qui est un climat de répression. Neil Candelou, bon après-midi, bienvenue dans Radar les Pep. Bonsoir Mervyn, bonjour José, bonsoir la République. Et nous pouvons aussi, et dans quelques interventions en ligne avec nous, nous pouvons notamment mettre Nakedi à 6h30, nous pouvons Rajan Valaiden aussi qui pourrait intervenir dans cette émission-là, et que nous pouvons aussi laisser le public, les auditeurs, d'intervenir en dernière partie de l'émission à partir de 6h30, le décentré 77-77, vous êtes capable téléphoner dans cette émission-là pour qui je intervenir. Ou avocat de Rama Valaiden, aussi lance un appel, si la police
L'inspecteur Jagai, n'importe qui c'est un du striking team, l'ASP Jagai, n'importe qui c'est un du striking, de la striking team, et même l'inspecteur Kouten, n'importe qui c'est un au niveau de la police, or vite téléphone dans Salim sur là pour qu'il se donne cette version, nous bande l'antenne ouverte pour que vous êtes capable de téléphoner nous anytime et dans le numéro approprié qui vous connaît quand vous contactez nous, qui est le numéro que vous besoin composé pour qui vous êtes capable de joindre nous en ligne. Donc voilà l'appel est fait. Maître José Moore, qui est là pour dire l'arrestation de Rama Valaiden? Est-ce que cette façon de faire les chocos les surprend nous ou bien vous inscrivez dans un cours normal des choses? Comment bonnes affaires peut dérouler ces derniers temps? Cours normal des choses, non. Mais disons qu'il passe à une vitesse supérieure. Là, hein. La police fin passe à une vitesse supérieure. Moi, de nous, des raisons bien simples. Quand je dis à la côte Rama Valaiden ce matin, il fin montre un certificat médical qu'il fin gagné hier. Mm-hmm. Il visite le docteur hier, il gagne un certificat médical pour lire au repos. Fin montrer ça c'est ce médical là, ça va faire un sens non dans décision qui banen prend et la police il prend et décision qui se finit mettre dans l'esprit, c'est-à-dire venir pour arrête avant Valaiden et oui. Amène les casernes oui. Ça va faire un sens non premièrement. Donc c'était ou peut dire moi c'était planifié d'avance, c'était déjà décidé d'avance. Non, mon père explique où dis-moi qui m'a commenté là mon père dit une passe à une vitesse supérieure. Mm-hmm. Ça veut dire la santé de du citoyen, c'est pas un élément à prendre en considération. Mm-hmm. Ça c'est la première des choses. Deuxièmement, les tiens a fait bien simple ça. Ou Jelly, comme ça, vous connaissez, vient d'un coup de caserne, une enquête pour prendre avec vous. L'eau, ouais. tes affaires. Parce qu'il y en a un plus compliqué que ça. Pas besoin d'aller, c'était du matin, à côté du monde, on réalise ça, traumatisme. Peut-être les auditeurs ne sont pas capables de réaliser ça. Mais le traumatisme trouve dès le tour de la police, débarque tout, c'était du matin. Mm-hmm. On peut réaliser qu'était ça. Oui, oui. Donc, arrêtez, amène caserne centrale pour prendre une enquête. Le quoi? Perverting the course of justice. Peut-être aller nous rentrer un peu plus en détail là-dedans, mais Zotin passe à une vitesse supérieure. Mm-hmm. C'est le troisième élément qui m'est capable de nous parce que motif dans. Donc, maintenant, faut dire qui ça dit monde qui pour être victime de d'une arrestation sous perverting the course of justice la prochaine cible faut dire dans sa capacité c'était du matin mobilise un panel légal. Oui, c'est pas évident, c'est pas tout du monde qui est dans ça. Oui. Et là on invite ban auditeur intervenir à l'aide dans l'émission. Mm-hmm. Tout ça ban auditeur qui pour intervenir là ça menace là, ça l'épée de Damoclès de perverting the course of justice, aujourd'hui, l'île aux autres la tête. Ouais. Ça veut dire on n'est plus capable de causer, on n'est plus capable d'exprimer, on n'est plus capable d'exprimer ou frustration, surtout contre la police et Special Striking Team. Si on cause contre le gouvernement, les moins. Mais je peux trouver une autre façon pour venir, arrêter, pour venir dire comme ça, ou peut faire, ou faire commettre un crime. Par exemple, on a fait qu'il y a au cap et dit dans sa émission là, il est capable de considérer comme perverting the cause of justice. Bien sûr, du moment qu'ils décident ça, n'importe qui, parce que je ne vais pas aller voir l'arrêt n'importe qui là. Et il y a un monde bien spécifique qui est infini target. Mm-hmm. C'est pas un target ça. Oui. Alors, comment ça va un monde là pour causer? Ça va un monde là pour subir le même sort, mais comment me dire où est-ce qu'il est capable de mobiliser un panel d'avocats à 7 heures du matin pour venir défendre nous, pour venir assister où? Est-ce que tout le monde ne peut pas faire ça? Ouais. Nikon Delou, est-ce que l'arrestation de Rama Valaiden les surprend nous, sachant que ce n'est pas la première fois, la première fois, ce n'était pas le Striking Team, mais nous rappelle comment les hommes de l'ACP Djangui, l'ancien patron du Central CID, tu débarques dans les petites heures du matin, 1h du matin, 2h du matin, quand Rama Valaiden et les Tibizins, Al Saléla, dans les bureaux du Central CID au Casin Central.
Sud à la Mosse, l'Euro, Palestine. Pour moi personnellement, li pas une surprise pour moi. Depuis des semaines, moi une intelligence pareil comme un gouvernement français, anglais, américain, intelligence qui Poutine peut faire. Et quand le gouvernement anglais, français et américain a une intelligence qui Poutine peut faire, nous avons vu nos télévisions nationales en France, en Angleterre, en Amérique pour exprimer l'opinion. Et quand on exprime l'opinion, condamne Poutine pour son action, pas capable de dire qui peut pervertir quelque chose. Ben, l'opinion qui moi avec mon camarade José et qui ou et qui tout bon citoyen de la République peut exprimer aujourd'hui, pour tenir à attirer l'attention du commissaire de police, c'est ben, l'opinion sous section 12 de la Constitution, to hold opinions. Nous sommes legal men, moi José, ou un journaliste, nous avons le droit hold opinions. Que ce soit faire plaisir à Fantomas ou bien pas faire plaisir à Fantomas, ça Fantomas ça va désirer que moi pour prendre. Mais c'est moi nous gagnons droit dans la République de l'île Maurice, le droit constitutionnel. Pareil que moi nous gagnons droit garde de droit au silence pour n'importe qui offense qui reproche nous, nous gagnons droit whole opinion. Donc et c'est nous constitution dit la loi suprême de nos pays. La donc, loi suprême abeuve tout ban des autres la loi qui est dans de nos pays qui est capable d'empêcher de faire certaines affaires du moment où il a sa liberté d'expression là normalement ou supposé capable d'exprimer ou à ce qu'il y a une diffamation et notre chabane affaire là qui fait et non ban recours légal devant la justice que tout capable de la criminelle criminelle diffamation civil diffamation mais moi penser apporte nous National Assembly nous parlement et n'a pas nouveau législateur qui assiste dans la caserne centrale qui peut réécrire peut redrafter nous ban criminel code et peut redrafter nous constitution ça li wrong. Beaucoup dire, pas quitte rasoir dans la mesaco, mais un petit quitte l'intelligence qui était là, les cas dangereux pour l'état de l'île Maurice. Je vous ai arrêté que sa manière là, je vous ai pris à base des pipi, surtout quand je parle dans la case un leader politique, un politicien, un avocat chevronné, un avocat qui fait son preuve au barreau mauricien. Quand je parle côté sur la case, je vous ai permission avant de bouger. Commissaire de police, vous êtes au courant? DPP ici, vous êtes au courant. Et je connais aussi que le Premier ministre parfaitement au courant. Depuis quelques jours, nous avons l'information qu'ils ont pour venir. Nous n'avons pas de compte de timing. Nous n'avons pas pensé qu'ils ont venir aussi vite. Et ça m'a un mouvement qu'ils ont fait là. Je pense qu'il y a l'élection derrière la porte. N'importe quelle élection qui a derrière la porte. Et le but, pareil que moi, le chat d'Iran. Le but, pareil que moi, nous pouvons trouver dans le Pakistan. Ancien Premier ministre pakistanais peut être traduit. Pour ban fausse source et la couine de ni raison, il est valide. Ban arrestation. Mais ici, il y a quelques malins, including Fantomas, qui apprennent ban mauvaise manière. Et ça, pour fatal pour eux devant. Pour très, très fatal pour eux devant, parce que c'est la démocratie qui peut être bafouée. Moi, j'ai une information qui, je suis pour venir à Laurent Mabaladen. Moi, j'ai une information qui n'est pas beaucoup à démentir, qui est pour venir à mon camarade Sandy Tilak Dari. Moi, j'ai une information qui se provient de mon camarade Chakin Mohamed. Et mon ban famille finit par et me connaît que la police finit une base prosecution dans une case concernant moi. Moi ici pareil, et dans l'épée l'homme à la tête, qui a une possibilité, qui a une source provisoire contre moi, conspirer si pareil, to pervert the course of justice. Donc, il est dangereux que certains policiers, qui comme aux jeunes tout seuls, comme aux jeunes locaux, quand je trouve moi, bonjour maître. Bonsoir, maître, la famille, bien. Mais quand je suis en groupe, je demande qui te l'est, qui t'a envie. Mais nous connaissons, nous, moi, je pense, moi, je suis une victime du système. Je suis victime du système parce qu'ils ont soumis les autres à Fantomas. Personne dans n'importe qui république, un policier digne de ce nom, n'est pas ban son uniforme au profit de la politique. Quand mon camarade Akil Bisessor, nous finissons exprimer nous l'opinion constitutionnelle de ma camarade Tilak Dari. Quand nous finissons la case, le monsieur Bruno Lorette, nous finissons exprimer nos positions et nous finissons trouver qui la population en nous. Et aujourd'hui, ce qui arrive, monsieur Balayden, et bientôt ce qui peut arriver, moi, c'est purement political persecution et ça, c'est condamnable
sous 1951 United Nations Convention. Et ce qui plie en béton là-dedans, je ne connais pas si le premier ministre, Aline Maurice, qui est au courant qui peut dérouler. Ils ont traité de tout ce nom, ils ont fini de lire tout ce qui a été qualificatif, mais qualificatif qui paraît un peu dessin animé. Mais moi, je commence à lire, je finis de penser qu'il est bizarre de prendre lire pour une badinaz parce qu'il est sérié dans ce bande mission. Ce bande target très très précis, avec manière qui certains policiers peuvent conduire. Et condamné par certains policiers, par plusieurs policiers, moi j'ai beaucoup de policiers, je suis un avocat, moi à la cour, qui me fait la guerre pour le syndicat de la fraude policière, je suis beaucoup de contact de la fraude policière, et mon cas de Mervin, qui banne la police actuellement, very, very unhappy avec la situation de la fraude policière. Au lieu de concentrer sur le supply uniforme, à banne policier, vous êtes habillé dignement pour refléter vitrine de la Constitution. Vitrine de la République, puis concentrer tout ressources pour attaque, pour faire political persecution, et ça l'est condamnable sous Geneva Convention. Comment donner l'indépendance à la police sans qu'il y ait politique capable de ni l'autre pour qu'il y ait un thème qui nous pas abordé dans cette émission-là. Mais avant ça, nous concentrer nous, là, ce qui n'arrive vraiment à Valaïden aujourd'hui. Ce qui nous entendait là, Maître José Moi, ce qui peut dire que Rama Valaïden, il fait un complot. To pervert the cause of justice. Qui complot, je peux dire, Rama Valaïden, il fait, je sais moi. Avant, moi, la question de qui complot, il fait, les bons qui, tout le monde connaît, quand il met ça la loi. Là. C'est le 31 octobre 2018 qu'il vote ça. Section 298A, il ajoute ça dans nos codes pénals. Et c'est la loi donc qui pas existait avant 2018, mon rappel où, élection 2019, donc avant mandat fini, il a introduit ça dans nos codes pénals. Il quitte ça là, pas de servi, pas de non. Là qui vous peut être un nouveau, une espèce l'épidémie de perverting the course of justice qui peut lever là. Oui. Et c'est à cause de ça qu'il nous dit dans la cour qu'il nous pourra contester la constitutionnalité même de ça, la loi. Là. Oui. Parce que pour nous, c'est la loi qui peut enfreindre la constitution, peut enfreindre nos libertés d'expression. Tout ce qui ça la loi là dit, il dit comme ça, n'importe qui ça n'a qui a l'intention, intending, hein, c'est une intention, in any way, to prevent the course of justice, shall commit an offense. C'est ça qu'il disait la section. Oui, any person who does any act or makes any omission intending in any way to pervert the course of justice shall commit an offense. Donc, vous trouvez c'est une espèce d'homme qui met dans la main la police, parce que c'est une criminal offense, code pénal, un homme qui met dans la main la police pour arrêter pratiquement n'importe qui. Parce que c'est eux qui décidaient. Peuvent être the course of justice. Là, dans le cas de Rama Valaïden, il reproche un bon propos qu'il tenait le special striking team dans une émission radio vendredi dernier. Puis reproche-lui, ça va commenter qu'il fait le special striking team. Mais il n'a pas les autres. La loi n'a pas servi. Si vous sentez une diffamée. Est-ce qu'il est possible de nous connaître qui m'a proposé exactement, je ne suis pas d'accord, je peux dire que Rama Valaïden a servi ça pour faire un savant propos que Rama Valaïden a tenu là. Comment il vient un complot pour qu'il pervert the course of justice? C'est ça qu'il nous a envie de comprendre, nous qui pas dans le domaine légal, nous sommes auditeurs qui payons une expertise légale. Qui savant propos là, ça, je dis moi, si de mémoire, vous êtes capable de dire nous. Ban propos, pas qu'on fini, il fait juste une partie. Alors, la partie qui peut reprocher, c'est la question de GPS tracking. Indien met GPS tracking en bas de l'auto, un accusé, un target. Oui. Il met GPS tracking en bas sur l'auto et il peut dire qu'il y a GPS tracking là. Et il y a les autres unités de la police aussi qui servent ça. Ouais. Alors, comment ça peut pervert the course of justice? Comment ça, déclaration là, peut enfreindre? Peut obstruer l'enquête. Pas oublier qu'il y a les autres la loi sur lesquelles capable
agir. Ouais. Mon Dieu, la diffamation et qu'il y a aussi Police Officers Protection Act. Oui. Si vous pouvez obstruire la police dans ce travail, mais il y a la loi pour ça. Mm-hmm. Pas PCV vite tout ça là. Mm-hmm. Il vient juste avec sa perverting the course of justice là. Et à sa cause de ça, comme je peux dire, c'est une espèce d'épidémie là. Oui. N'importe qui, je ne peux pas arrêter avec ça là. Parce qu'on fait un commentaire, parce qu'on fait une déclaration, parce qu'on dit quelque chose qui n'a pas plu à eux. Alors là, là, dans ce cas-là, là, la justice, perverting the course of justice, ça veut dire la justice, c'est le special striking team. Parce qu'on fait dans un autre mindset. Mais la justice, c'est le special striking team. Alors, parce qu'on fait un commentaire, la façon d'opérer le special striking team, ça veut dire qu'on commet un crime. Diamant d'affaires, quelque chose perverting of the course of justice. Est-ce qu'il est capable au niveau stase en l'enquête ça ou bien libisé devant la cour? Je peux poser la non, question. Non, c'est un provisional charge qu'il mettait là. Mm-hmm. La cour, final charge, tout ça, ça c'est une autre affaire. L'enquête pas quand même est commencé. Finie là. Ils disent commencer, il arrive la moitié. D'abord, finit une espèce bataille extraordinaire qui, je me disais, là, dans la profession légale depuis janvier 2005. Mm-hmm. C'est la première fois qu'ils m'ont trouvé comment ils ont bataillé pour que la police donne les péticuleuses. Oui. Parce qu'ils peuvent dire qu'ils ont acquis, ils ont venu à l'enquête, perverting the course of justice, ils ont demandé péticuleuses, un coup peut donner, un coup pas peut donner, un coup fini dire pour donner, elle fait photocopie, venir, ils ont venu dire non, prends photocopie, mettre là-bas, pas donner. Alors, puis aller bout de pas, bout de pas, oh, ça l'enquête. Oui, oui, oui. Puis aller bout de pas, oh, ça l'enquête. Là. Donc, ce qui fait que l'enquête a commencé, mais pas qu'on finit. Mm-hmm. Right? Donc, ce qui m'a fait faire comprendre, c'est que c'est une espèce gagging order qu'ils mettent dans la main la police. Là. Ouais. Un gagging order qu'ils mettent dans la main la police. Ça veut dire, tout du monde qui pour cause compte, ou bien qui pour faire un commentaire qu'ils n'ont pas apprécié, pour venir arrêter tout. Ouais. Ouais. Quand matin bonheur, c'est un vendredi là, venir à Massou, amène station pour donner l'enquête. Mais ça reste nous perplexe parce que normalement, on a une liberté d'expression et tout. Comment ça, nous avons comme hali capable override liberté qui on a pour qu'il exprime nous-mêmes. De plus, de tout citoyen de ce pays-là, et la police, mon pensée, ce travail premier, ce responsabilité première, c'est qu'il préserve l'eau et l'odeur, et que les bisins une sécurité, les bisins une sorte de protection pour la population. Les pas supposé comment soit adversaire, non? Parce que faut pas ajouter des affaires en isolation. Mm-hmm. Vous connaissez un temps là, ça Maurice, quand un problème levé, là nous faisons un débat là, ouais. Nous faisons un débat juste sur ce problème là. Non, nous faisons right? En général, oui. Le gouvernement MSM fin met un arsenal en place pour qu'il y détruire tout nos libertés fondamentales, principalement liberté d'expression. L'eau ou la tête là, il a habillé, il a mandé. Dire comme ça, ou bien faire la part des choses, ou bien balance l'émission. Mais quand on invite d'autres, nos plateaux pour venir, ils n'ont pas pour venir. Mm-hmm. Mais comment on peut balancer ça, l'émission là-haut? Tout ça là, c'est un arsenal légal qui finit de mettre en place. C'est un d'un premier temps, le Parlement, je te servis le Parlement pour mettre ça arsenal légal là en place. Après, je prends d'autres immunes, je le mets dans toute institution. Si une institution calculée pour comment dire tenir tête pour les faire ce travail comme besoin pour gagner toute qualité persécution toute qualité problème lui-même oui. Vous connaissez nous pas besoin oui. Dans, oui. Dans les détails oui. Et puis là où gagne la police qui est divini les services nationaux légaux là toute institution contrôlée dans son la main ça veut dire même si wali cac wali si wala va faire déposition tout ça là mais besoin faire lisement parce oui. Que c'est ça qui restait Bizan la guerre pour ça. Bizan fait li parce que sa gouvernement MSM là, li n'a pas pour pouvoir éternellement. Mm-hmm. Nous manque le temps pour rire rapidement. Après, nous pouvons passer la déclaration. Nous pouvons passer la parole à Nikan Delou, mais nous pouvons aussi passer la déclaration de Rama Valaiden. C'est qu'il est fin de nez quand il est sorti. Après qu'il est fin de gagner caution, la cour de police aujourd'hui.
Le laboratoire médical Procare vous propose un bilan de santé général pour seulement 700 roupies pour un temps limité. Nous offrons également des services de prise de sang à domicile à travers l'île. Laboratoire médical Procare, Ramdani Building Forestside et Santa House au Coulé, en face de la station service Shell. Nos lignes téléphoniques sont ouvertes de 6h30 à 20h30 tous les jours. Appelez-nous au 660 60 60, 660 60 60 pour plus d'informations. Presenting Girnar Detox Desi Kawa. Tea with a twist. Sip it along with the rising sun or savor it after a long run. Your respite during a hectic day or when you're in the mountains far away. Finest of green teas, herbs and spices. Gives a flavor that's twice as nice. Detoxing now made easy. Just dip and sip. No wonder they say, Girnar, my chai, my time. La roue l'a tourné, même bâton dans la roue. Ou avec nous, nous avec vous, nous pas pour killer. La main dans la main, nous pas pour laisser liberté menacée. Sans frayer ni faveur, nous amène pour la vérité. La roue l'a tourné, même bâton dans la roue. Ou avec nous, nous avec vous, nous pas pour killer. La main dans la main, nous pas pour laisser liberté menacée, sans frayer ni faveur, nous amène où la vérité. FM, top, 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 FM. De retour dans l'émission Radar Les Peuples, nous pécoses l'arrestation de Rama Vlaiden. Est-ce qu'il nous persiste à une dérive grave et dangereuse? Est-ce que la démocratie à la sauce mauricienne fait honte? C'est ce qu'il nous veut discuter dans l'émission-là. Et là, pour tout de suite, nous passons la déclaration que Rama Vlaiden a donnée à sa sortie de la cour aujourd'hui après-midi. Nous devons vivre en dictature. Le pire devant nous, si le peuple ne peut pas réagir, si le peuple n'a pas bougé, nous paierons puis un dans après l'autre pour fermer dans ce pays-là. Tantôt même là, si mon camarade Tilak Dari, mon camarade Bissessor Akil, causé, nous ne finissons pas information. Qui tente même pour faire un autre pareil. Nous avons madame, il met une poche qui la vérité. Et je ne dis pas, striking team encore. Mais je veux remercier le matin ma famille, remercier tous mes camarades avocats, remercier mon avocat qui est venu à une fin de
remercie Jacques Pangloss, remercie nos camarades Trilo Tchon, remercie nos camarades José Mort, nos camarades Pilote Dari, nos camarades Akil Bissessa, nos camarades Anouk Goudari, nos camarades José Mort, nos camarades, on va espérer, Nakcheli, et tous ben, les autres qui m'ont capable, tous ceux qui nous montrent notre soutien, qui m'ont venu, Afisa Goudami, bien sûr, qui nous prend toutes les notes. À nos camarades Vieya qui l'a dit aussi, tout ben camarade qui peut continuer montrer notre soutien. Et nous gagnons soutien aussi, bizarre qu'on est, ben camarade avocat en Angleterre. Donc moi, pause plus, moi, pour faire une statement après lundi, ben camarade Avengers pour faire une conférence de presse. Il y a tellement de choses pour causer. Nous donc, face à parole à ben camarade avocat. Et camarade Adam, qui peut reprocher exactement? Peut reprocher moi qui mon pervert. The cause of justice. Qui m'ont dit dans un interview programme ensemble avec camarade Nando Bouda le 5 mai 2023 à Radio Plus, côté cause, l'appel qui m'ont lancé lors pour l'unité de l'opposition extra-parlementaire et aussi côté mon cause planting. C'est pas la première fois qu'il m'ont cause planting. Et à chaque fois mon cause planting, moi je cause particulièrement parce qu'il faut respecter ce qu'a m'a dit le judiciaire. À chaque fois qu'il me cause planting, je fais l'enquête. À chaque fois qu'il commence, il y a planting sans qu'il moi me fasse l'enquête. Et je fais l'enquête et je démontre à chaque fois qu'il veut. Donc, qu'est-ce qu'il lui c'est ça? L'Express lui-même, mettez un article, mon camarade Tilok Dari rappelle, qui dit si ce qu'il me peut dire là, vous pas réussi, comment dire, mon règne infini. Règne en tant qu'avocat de la défense. Mais nous trouvons qu'il brème. Il planté côté à qui le vice sort. À top, nous prouver, nous démontrer, et il y a mon camarade qui est là, qui me fait un travail formidable encore, qui t'y montré encore le film pour moi implanter côté lui. Nous gagnons plusieurs cas encore, nous avons à les mêmes. Là, vous pouvez faire une case, et en même temps, il va me dire dans la case de Foulena. Nous fait dire la même chose. Qui s'en a implanté, pour qui agent, comment se rentrer, comment disparaître l'eau, ben page Facebook qui finit dire pour venir mettre que tout. Et tout ça, un camarade qui peut trouver là. Heureusement, Jacques Pérez à l'école là. Tout camarade là, je t'ont fini citer qui peut fermer. Et puis arrive lui. Donc, ce qui peut arriver, si les peuples là pas levé, si les peuples là pas montré sur détermination, pas montré sur colère profonde, qu'un moment quand le peuple a faim, quand des gens peinent à manger, quand des gens peuvent souffrir, ben nous pouvons souffrir. Plus divant. Encore une fois, moi on a la chance et on a le soutien, moi on a la chance que nous avons un camarade avocat, moi on a la chance qu'on a la famille, moi on a la chance qu'on a l'union peuple mauricien derrière moi, moi on a tous un camarade là, et donc il n'est pas trop facile. Okay. Mais ce qui est grave aujourd'hui, le matin, hier moi à l'hôpital, m'ont montré un medical certificate qui dit au fait mon besoin en congé. Mon médicament, mon visant congé. Je vais dire, montrez ça à votre chef. Montrez ça à votre chef. Et là, votre chef va guetter, ce n'est pas mon visant béni aujourd'hui, même au champ de jour. Mais il ne faut pas mal informer. Je vais poser la question. Si tu arrives que le destin t'y choisir, qui après qu'il m'a warn, tu arrives moi quelque chose aujourd'hui, qui tu peux arriver? Mais seulement les autres, à votre imagination, qui tu peux arriver? Tu peux arriver les 10 maladies. Donc, c'est qui véritablement est un problème. Il y a beaucoup de problèmes, mais ça ne peut pas empêcher moi de continuer dans le combat pour dire ce qui est bizarre, dire ouais. Et comment Jacques dit, comment Jacques Pangloss dit à moi, qu'on gagne un new lease of life après le 28 février, je suis revenu, je suis revenu pour capable de faire des choses qui nous tirent au plus vite sa gouvernement pourri, mafieux au pouvoir. Si tout le monde ne comprend pas ça, jamais je comprends. Aujourd'hui, moi, dis mais toi, moi j'ai l'honneur, le plaisir, pas je. Mon camarade Jacques Laval, Désiré, Pangloss. Rama Valaiden, qui peut dire nous d'un dictateur, Zodi Li, Dime toi, Dime les autres Dimoun, Nil Kandelou peut dire Dime Li, Shakil Mohamed, Sanjeev Tilakdari, Saban, information qui est dans là. Donc, on peut dire oui dans ça depuis avant, et qui Rama Valaiden, premier la tête qui fin gagné. Et que maintenant, selon pas d'information qui est là, et dans Shakil Mohamed, et dans Sanjeev Tilakdari, et coup, c'est ça. Oui. Mais il est bien sérieux, ça. Bien sérieux. Ah. Depuis une semaine, je peux dire Rama, be careful, et je téléphone tous les jours, le matin, tantôt, pour make sure que tout est OK.
Et ce matin, vous même nous avons une surprise parce que nous n'avons pas expect qui pour venir sur la case, pour venir faire ce qui nous fait là, minu militari. Nous avons expect qui pour donner un rendez-vous, venir dans la caserne. Mais qui fait cette opération là, dans ce modèle là, pour rendre les peuples perplexes et pour faire les peuples se connaître, tension. Si nous sommes capables de faire ça, Ramaba Laden, si nous sommes capables de faire ça avec un ancien premier ministre de ce pays là, si nous sommes capables de faire ça, peut-être avec un autre ancien premier ministre de ce pays là, si nous sommes capables de faire ça avec un political opponent, si nous sommes capables de faire ça avec un avocat et un politicien, donc toi, citoyen, tu n'as qu'à tenir toi tranquille, si tu bouges, nous pouvons bouger à toi. Dans tout le pays, dans le dernier moment de Mugabe, vous faites le premier ministre trouve ça bien. Likin zone Mugabe, Likin prend toast à Mugabe, comme Mugabe Tivin Maurice. Quand tu trouves qu'il y a Mugabe, tu penses, vous dire, tu pas qu'il y a Mugabe à l'île Maurice, dans ce modèle-là, puis n'a aucun stand, le persécution qui finit déroulé sous 1951 United Convention, le Zimbabwe. Puis prendre tous, puis rire. Et mon pensée, mon dit, ben, ou un drôle de politicien ou. Et vraiment drôle. Vous connaissez qui il a ou la tête, ou envie de clair la route, et qui vous pensez, qui vous pouvez mettre tout du monde dans la casse, et qui vous a un chemin clair pour les élections qui peuvent venir. Mais vous connaissez, dans un temps difficile, Mandela pan fin père, Mahatma Gandhi pan fin père. Nous, ban camarades qui ont ensemble nous, dans l'opposition, toutes parties confondues, tous les partis confondus, nous pas père. Dit temporaire sa persécution là, dit pas pour longtemps. Parce que tout mon indication qui nous est là, tout indication qui nous est là, je dis clair et net, m'adresse au premier ministre, tout indication qui nous est là avec sa manière de faire. Et qu'un petit groupe de policiers qui vous paie servi, vous perdez 10% d'élection. Vous pouvez battre les bœufs dans la prochaine élection. Parce que Maurice n'est pas content de dominer. Et mon cas, dire où, si vous faites un recensement, un baromètre, jamais man Maurice n'a pas vivre d'un frayer que je peux vivre actuellement. Nous pouvons que ça, climat de frayer. Est-ce que comme Maurice trouve ça dans les affaires là? Je suis pas content. Je pas content, oui, mais je pense quelque part, il peut se souffrir, non? Avant, il pas pour souffrir. Avant, quand on trouve des affaires comme ça, quand, en plus, il arrive à Ramaba Laden. Vous avez ça, Ramaba Laden? Moi qui m'ai été moi. Mais vous pensez un premier ministre de la trempe d'un politicien qui l'ici un dinosaure? Il criait l'autre jour dans le meeting le 1er mai, il dit nous morts sur la côte d'un dinosaure dans Riverwalk. Mais pareil que ma Béranzé, tu dirais, vous avez qu'on fait la différence entre dinosaures sales et dinosaures propres. Ou dans la politique depuis les années 90, ou dans la politique depuis plus de 30 bananes, ou fin faire fête 40 bananes, et ou fier de la fête de 40 bananes du MSM au pouvoir. Moi, donc, passe-moi, tu peux fier, moi, avec une dette publique qui peut envahir l'île Maurice 400 milliards de paiement de dette publique tous les mois. Donc, ouais. Laisse-moi dire une autre affaire. Mais seulement là, on peut associer ça directement au premier ministre. Mais là mais, c'est Special Striking Team. Oui, mais gaspiller, moi, je dis une affaire, Franck, José, Mervin, la République. La Special Striking Team, pour moi, il y a une affaire temporaire. Et je finis être victime de cette sélection. Je sagré mon camarade qui me travaille là-bas. Je sagré la conduite qui peut faire là-bas. Il est imposé aux autres. Je sagré aux autres positions. Je connais, je suis obligé de faire ça. Si je me montre les autres cerises, framboises, bonzes, grand matin, je suis obligé de faire ça pour préserver votre travail. Mais, monsieur. Le chagrin. Et que mon Dieu nous a fait un coup. Je ne peux pas oublier ça. Un coup GPS tracking. Je fais un appel à Maurice. Pas de GPS tracking qui est là. Et il y a un appareil qui met en bas le tout. Avec ça, un nouveau système qui ferme la porte le tout, qui verrouille la porte le tout, qui verrouille box. À télécommande et là un appareil qui mettait nous compte très bien pour jouer que sa fréquence qui a accès à l'auto là ça veut dire si on a un remote control parfois quand on a un remote control pas travail c'est un malin venu passer une affaire où il brouille le système et qu'il ouvre l'auto dans la place sans qu'il vous connaisse et moi je pense que c'est la solution
camarade Mavin, maman a été un tolier grand matin avec un soulier. Mon Dieu, il met un taquet avec ma Mr. Bean dans mon loteux. Ça veut dire qu'on a quatre pattes dans le sac la pote. Quand vous finissez l'autre mon loteux, vous mettez cadenas et des cadenas dans vos box. Malheureusement, tant que ça gouvernement là au pouvoir, vous pensez que vous pratiquez ce système là. Et ah, vous mettez cadenas dans le tour? Oui, vous mettez cadenas dans le tour. Ouais. Parce que vous pensez qu'à temps avec la technologie. Mais, oui, bien sûr qu'à temps avec la technologie. C'est vraiment vous venez coller ton casque au cadenas vraiment. José moi pour virer bon Dieu nous. Et une affaire aussi qui bien dangereuse. Et nous faisons ça ressortir la cour ce matin. Alors, c'est un officier Special Striking Team qui fait déclaration. Oui. Contre Mavalaiden. Pour dire que ça ban propos là il y a une offense. Un officier Special Striking Team qui fait sa déclaration. Ouais. Là c'est ban officier Special Striking Team même qui peut faire l'enquête. Donc j'ai même fait déclaration, j'ai même fait l'enquête. Nous faire ça ressortir ce matin dans, devant la cour qui le Special Striking Team il pas capable juge et parti dans même affaire. Il n'est pas possible que ces autres même qui fait déclaration à cause de ça qui était là mon pédiao et un gagging order dans l'armée la police parce que du moment qui en a un commentaire qui fait qu'ils ont pas apprécié autres même aller à faire une déclaration autres même si pour si warrant mais pas comprendre comment il possible ça parce que si nous pas cause légale peut traduire devant la justice nous d'un pays de droit. Toutes les affaires bizarres déroulées selon les règlements, selon la loi. Donc, comment un complainant, l'hypothèque, lui-même il a l'arrêté, lui-même il lui fait l'enquête, même lui-même il met ça en provisoire, il passe devant la justice. Même team. Donc, comment les caves possible des affaires comme ça? C'est qu'il faut bien comprendre. Je bien connais qui ça pas une chose dans la papoutine devant la cour. Même ça fait une arrivée à Rich Tendency. Oui, c'est même qui m'a dit vous prenez l'épidémie de perverting the course of justice pour l'épidémie dans le pays là. Je bien connais qui ça pas une chose dans la papoutine devant la cour parce que je peux ça le prouver. Dut-il aux autres pour le prouver comment il est impervert the course of justice. Dut-il aux autres, dut-il pas l'eau celui qui a arrêté. Ne pas oublier qu'il est fois là, quand il cause atteinte à la liberté d'expression, l'autre fois là, le premier ministre dans une déclaration, il disait qu'il pensait qu'il y a un abus de démocratie dans le pays. Mais tout ça là font partie d'un seul scénario. C'est grave ça, Ken Jimoun qui disait qu'il y a un démocrate, il y a un leader d'un pays. Il vient dire comme ça qu'il y a un abus de la démocratie. Pas dans le qui y a une limite qui vous mette la démocratie ou? Pas ça. Avant même qu'il y ait une arrestation, il finit dire où vous trouvez. Il finit annoncer dans le meeting où vous trouvez qu'il peut arriver. Avant même une arrestation. Donc tout ça là, c'est une seule ça. Oui. C'est à cause de ça qu'il nous peut dire que ça l'arrestation là, toute l'arrestation de qu'il peut faire là, les politically motivated. Parce qu'il n'est pas possible que dans le cas de Manish Gobin et autres, par exemple, peine arrestation, mais peine même une convocation. Mais c'est moi dans le cas de Ranvaladen, c'était du matin, on finit vite Gotli, malgré qu'il lui montre un certificat médical, ou prend lui ou aller. Mais qui fait lui pas aller? Nous d'accord, c'est que, ou un opposant du régime, il n'est pas venu une excuse qui à cause ou un opposant du régime qui a causé ça, ou peut-être un problème. Des fois, capable de venir en vanguard. Mais là, quand nous guettons quand même les mots van questionable, mais Special Striking Team, je ne sais pas, il y a une équipe qui a dit la drogue, le pervert the cause of justice, qui sont attribués exactement. Parce qu'il me connaît dans la police, ou dans le CCID, il y a une attribution, il enquête dans certaines affaires, dans le CCID, ou dans le MCIT, ou dans le Cybercrime Unit, ou dans le LADSU, ou dans le IT Unit, ou dans le Traffic Branch. Pas de CIT, de la police, ou dans le trafic branch, ou dans les autres unités, ou dans le SSU, ou dans tout ça, dans les affaires GIPM, tout ça là. Mais en l'équipe. Les bizarres, et non, en l'attribution claire, que tu travailles, non? Ça même, je dis, la force policière, le gouvernement, il doit avoir une explication à la population, quand les affaires comme ça peut arriver. Puis nous, bizarres, connaît, mais où, qui fait un créé, mais qui est relou. Mais pour bizarres, arrive un certain moment, pas un certain moment. Moi, à ce moment, invite le Premier ministre, son Excellence,
vient expliquer la population the need be of special striking team. Mais ce que je veux dire, non, il n'y a pas un piece, par exemple, une private notice question, le special striking team. Non, il n'y a pas un private notice question. Et moi, je pense, moi, qui souris mon camarade striking team, je connais, je peux jouer ma gros bêtise, je peux jouer, je peux guettement, je peux jouer, mais c'est moi. Je dois voir si envers la République, pas envers Fantomas. Je dois voir si envers la démocratie et pas envers Fantomas. Vraiment, mon camarade a raison. Moi, j'invite le leader de l'opposition pose une question of the need to be of special striking team. Et tout ce que nous avons trouvé aux réseaux sociaux, comme mon camarade José il dit, et comme moi aussi, moi, dire suite à l'arrestation, récent arrestation à Côte Pédia Planting, le case de Côte. Ça va partir. Mais beaucoup de gens posent beaucoup de questions. Et dans le public domaine, je peux encore une fois remind le commissaire de police et dirigeant striking team qui am holding opinion under section 12 of the constitution. Je gagne le droit de faire ça. C'est pas perverting the course of justice. Je comprends ça très très bien. Et dans l'opinion publique en jeu, je ne suis pas content de miner et je ne pas pour là pour longtemps. Je comprends ça bien. Et je sympathise aux autres dans la situation que j'ai été. De manière qui fait ce travail, il y a beaucoup religieux parmi eux, il y a beaucoup de pères de famille, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de parents ici. Et au fond des autres, ils ont parti pour compter un jour qu'il y a un crocodile à la tête de l'État et l'immense bande citoyen qui peut dévorer un petit poulet. C'est ça qui peut arriver aujourd'hui. Ils ont fait bien attention et moi, je peux dire aux autres, si l'élection générale vient, si ils ont pu continuer de cette manière-là, et moi, je peux dire aux autres, qui situation grave pour le gouvernement, pour que tout le monde ait une opinion, pour un sondage, pour dire moi, qui a un bel sens, il est très probable, il est presque une réalité, et une certitude, qui sa gouvernement actuel là, pour pas croire que le peuple maurice a envie de trouver l'actuel premier ministre pour son élection, pour pas croire qu'il a envie de trouver sa speaker là, dans la position qu'il était là, et pour pas croire qu'il a envie de trouver un député premier ministre, comme on a actuellement, pour un assentement. Mais c'est pas à cause pour un assentement, à cause de connaître terrain peut glisser, qui est une militia, pareil que moi, tu dis, comme un Dordain Bowser s'arrêter, qui patine à aucun warrant, la police qui rentre dans la carte, qui soulève vite, amené dans le central CID. Il faut dire, moi, que mon camarade qui nous a la cour, nous pose plusieurs questions et qui nous fait trouver qu'il y a arrestation, qui fait pour un l'ordre ministériel. Pareil que moi, à quatre camarades qui sont dans plein manion, qui m'ont le défendre, nous trouver qui l'ordre pour détenir en la nuit. C'était une correction à l'électorat. Il n'arrivait pas à être de sa manière là. L'élection se déroule sain, clair, d'après nos règles électorales et pas à travers persécution. Ce qui peut arriver, c'est de la persécution et ça se là bien arrêté. Moi, je ne vais faire aucun appel au président de la République, c'est gaspillage, mais je vais faire un appel au cardinal Piat. Je remercie beaucoup pour l'intervention. Je suis là pour vous causer et j'espère intervenir encore pour avoir un abus de la démocratie. Je fais un appel à un chef religieux de côté musulman. Rappelle sa premier ministre à l'ordre. Et je fais un appel à un camarade de tout bord de la communauté hindoue. Arrête sa rôle qu'ils ont terminé là. La démocratie en danger. Moi, je finirai tout un pays pour occuper mes parents. Et je ne pas croire ce pays-là pour continuer comme ça. Mes enfants pour rester là, pour occuper moi. Si mes enfants allaient, mon naissance termine mon vieux jour dans le couvent. Pas à cause d'un petit groupe juissier qui peut envie de juillet dans ce pays-là, qui a envie de rester au pouvoir, qui a envie d'occuper notre business personnel, puis servir militia pour target du monde, qui nous peut continuer dans une situation pareille. Si ce pouvoir-là revient encore au prochain coup, il y a une belle possibilité que moi, la famille et plusieurs camarades professionnels pour l'immigrer ailleurs. C'est donc le choix, peu, c'est les autres. C'est le but un peu de sa bonne action-là. Certaines d'Imoun se posent cette question. Mais, José, moi, une question fondamentale. Nous, dans un pays qui se dit démocratique, dans une démocratie où il y a plusieurs d'Imoun qui ont des views opposants, des opinions différentes. Il est normal qu'il y ait un gouvernement
li normal ki ou prenen gouvernement ban di moun ki pou kontan ce gouvernement la, li normal ki ou prenen ban opposant du régime, et li normal ki sa ban opposant du régime la, li pasis dans côté politique, li capable de ban travailleur social, li capable au niveau de la population, le public qui peine aucun beau politique mais qui pas d'accord avec bans affaires, qui peut arriver, qui peut impacter coup de la vie, qui peut faire je devine plus misère, qui exprime je à travers ban phonings qui est dans le radio causé de mon peuple, que les autres émissions qui est dans de ce type, je te fais avoir, je te mécontentement, même ceux qui content le gouvernement faire montre de cette appréciation. Après où est ban timoun dans politique, l'inormal d'une démocratie qui opposait l'opposition, qui pour faire ce travail d'opposition, qui est parlementaire, qui est extra-parlementaire, comment l'Union peuple mauricien, comment les autres partis qui pas de parlement, je ne pas fait ce travail de parlement, mais je te fais et non fait plus qui c'est qui de parlement faire. Mais ça bande affaire là, qui fait les difficiles pour accepter point de gouvernement. Pourtant de tout temps, nous finissons dans une situation comme ça, dans une démocratie, chacun respecter ce camarade. Mais qui fait aujourd'hui, nous trouvons, nous, dans une situation que, paraît-il, certains du monde qui est au pouvoir, jetaient une allergie extrême face à la critique, face à la dénonciation, face à la propos qui mettent face à cette responsabilité. C'est bien simple, parce que le Premier ministre, Pravin Kumar Jagnath fin choisir un style de leadership que li pour diriger comme un dictateur. Ça ce modèle leadership qu'il a trouvé qui plus adapté pour lui. Plus adapté avec ses capacités. Plus adapté pour son intelligence. Plus adapté pour ce mode de fonctionnement. Vous comprenez là? Ça veut dire un dictateur, il a la li, et il met tout du monde autour de lui, tout du monde besoin servir lui, tout du monde besoin travailler pour lui, tout du monde besoin protéger lui. Alors si vous protégez lui, il protège où? Arrête là. C'est ça ce modèle de leadership, c'est ça qu'il vient trouver lui. Alors comment il est arrivé pour ne pas faire ça? C'est parce que nous système démocratique, il permet de faire ça. Le système démocratique, il permet de passer ban la loi sous tapis, passer ban la loi, il y a monde ban 10, 15, 20, 50 textes de loi, il y a monde dans une seule la loi, ça la loi perverting the course of justice là. Quand ça tu passé en 2018, il passe parmi une série d'amendements ça hein. Ouais. Parmi une série d'amendements, la presse t'y couvert, ça ban amendement qui t'y a mené dans Judicial and Legal Provisions. Ah, Bill, là. La presse t'y couvert, mais pas t'y couvert ça. Il passe une aperçu totalement, mais pas pour lui. Pour lui, quand il met ça la loi, là, il bien connu qu'il peut faire. Quand il met la loi, le radio, il bien connu qu'il peut faire. Parce que tout ça là, quand il met tout ça là à sa disposition, parce qu'il y a un dictateur, il y a un démocrate. Un démocrate, il peut permettre qu'il vous critique. Un démocrate, il peut critiquer, il vient, il peut dire comme ça, ouais, un tel peut critiquer, mais nous pas tout ça comme ça, là, nous tout ça comme ça. Un démocrate, il pose une question, il peut répondre. Un démocrate, il fait conférence de presse, il fait face à la presse, pose question, il répond en tant que Premier ministre, parce que c'est moi qui est responsable. Mais un dictateur, non. Un dictateur, tout le temps, il faisait cassette. Un dictateur, il peut ouvrir sur la bouche jusqu'à ce qu'on sente, il est, comment dire, dans une position de force. Un dictateur est venu faire le procès de son adversaire dans la télévision publique. Il permet de faire le procès de son adversaire. Lui-même juge, lui-même décider, lui-même finit faire ce procès, il finit condamné. Kim Jong-un. C'était là-dedans, quand vous dites moi comme ça, dans une démocratie, c'est normal, etc., etc. C'est pour ça que nous, l'Union peuple mauricien, nous pédions système bizarre sans eux. Et surtout là, avec sa problème qu'il y a au sein de la police est divisée aujourd'hui. Hein. Il y en a qui sont d'accord avec la façon de faire, il y en a qui ne sont pas d'accord avec la façon de faire, et il y en a qui n'est plus ou les mêmes levés grand matin pour aller travailler. Je dis, vous n'êtes pas capable de faire ce qu'il y a de travail.
La police est divisée aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle quand nous payons le système business santé, un des bons éléments qui nous payons le business santé, nous devons créer un ministère de l'Intérieur qui, sous responsabilité, saisit ça. Un premier ministre, il n'est pas capable de faire ministre de l'Intérieur part-time. Il n'est pas possible ça. Parce qu'aujourd'hui, la situation est telle que ça constitue l'autre qui vous a metté. Qui est dans la police? Donc, tout ça, c'est unité que vous faites mentionner là. Qui est dans nos sécurité territoriale? Parce que tout ça là, il est dans les choses du ministère de l'Intérieur. Qui s'agit des droits humains des bonnes citoyens? Premier ministre de l'Intérieur aussi. Mais les droits humains de bon citoyen, demain aux droits humains, inviolés, côtoyés. Mais vous avez la police? Ben, il a. Oui. Mais ce n'est pas le Premier ministre, il n'est pas pour répondre. Est-ce qu'il, ça vous pose la question, est-ce qu'il est en confiance que la police telle qu'il peut fonctionner aujourd'hui, il peut protéger moi comme besoin? Si vous posez chaque citoyen sa question-là, si vous faites un sondage sur sa question-là, il est clair qu'il peut y avoir une défaillance, une faillite au niveau de la confiance, non? Parce qu'il y a un monde qui peut occuper ça, le law and order, il peut occuper ça part-time. Il peut ça part-time, ou ça, il peut faire ça full-time, et le reste, il ne peut pas faire, parce que les droits humains des citoyens. Côté, on peut intervenir quand les élèves, tu peux sentir dans le collège secondaire. On peut le Premier ministre intervenir, pas intervenir, lui. Comment ça ne pas regarder? Là, est-ce que la police, aujourd'hui, est capable de répondre? Si Lydia li balancé, li indépendant, li pas prend l'autre depuis là-haut, mais est-ce qu'ils sont capables de répondre à la question qui est sur Minaden, qui fait pourquoi ne prend aucune action? C'est une des bonnes questions fondamentales qui nous pose, nous, parce que sinon, la perception qui dit que la police agit contre opposant du régime, mais protège le gouvernement, mais tout le monde est d'accord avec ça. Donc, le cas sur Minaden, il vient de répondre. Le cas Gobin, l'ICAC, il vient de répondre. Il arrêtera de se ramener. Il finit avec le pays. Il prend lui, mais note en main, un bras droit presque de Manish Gobin. Ça, il cachait de sommeil, note en sauvesse tellement il peut gagner honte quand il peut sortir depuis l'ICAC. À ce terme, un petit monde comme ça, il a fait tout ça dans les affaires là. Arrivé, le Premier ministre, supposé la personne la mieux informée dans ce pays là. Hier, quand il peut répondre à une question à un journaliste, il dit quelle allégation? Qui s'en est fait allégation? Bizan qui de choses concrètes. Malheureusement, sur ce coup, l'inintimide man journaliste qui est présent. Mais je tout connais. En étant la personne la mieux informée dans ce pays-là, Pravin Jagnat capable de dire comme ça, qui ban allégation et non contre Manish Gobin, qui s'en a qui fait allégation et qui a fait énorme de concret, ce qui est énorme de concret, ce qui finit une sorte de trafic d'influence contre Rajesh Ramnarain dans sa caisse pour devenir là, et dans Ajay Ditu, et dans Hans Kigan et Toaru, qui final l'ICAC, qui finit dire comme ça, je t'ai besoin d'une bande pour devenir à travers Rajesh Ramnarain pour qui allouer bail intérêt précoce de grand bassin. Ce sont ça qui ont été dénoncés. Contre Manish Gobin et Rajana Dalia dans l'ICAC. Je ne connais pas si le Premier ministre n'a pas connu tout ça là pour qu'il dise quelles sont les allégations, qui sont là qui ne font pas d'allégations, parce que s'il demande à être informé, à ce moment-là, une allégation comme ça, la presse peut sortir ça presque tous les jours, tout le monde peut connaître ça. Le Premier ministre demande à un journaliste lors d'une sortie que l'on peut inaugurer un rond-point. Quelles sont les allégations? Qui s'en a qui ne fait pas d'allégations? Il y a quand même une affaire, je ne vais pas dire bête, mais seulement pour être pour la personne qui l'a mieux informé dans ce pays-là. Il y a quand même plus qu'étonnant, non? Il y en a deux possibilités dans l'affaire-là. Soit le Premier ministre, son excellence, il prend la population Maurice pour un imbécile, pour vraiment un dernier des cons, soit vraiment lui aussi. Il y a un prisonnier de la mafia. Et ce qui font Thomas Zélie fait, il fait. Et il y a un prête-nous en tant que Premier ministre. Il existe là comme Premier ministre. Il existe là comme figure. Et il est là pour protéger tout ce qui est derrière lui. Nous avons un système que de fois, on appelle ça Catch-22. Peut-être qu'il y a un Catch-22 situation. S'il y a un Catch-22 situation là, il est libéré sur l'âme, il est libéré sur conscience, il
les besoins d'une élection générale. Parce chacun, qu'un pays pas qu'à rôle comme ça. Chacun prend responsabilité, je prends propos. Bien sûr. Évidemment, pour que, l'opinion, on prend une femme, comment on peut trouver. Sous section 12 de la Constitution. L'opinion qui peut prendre, ben grave ennui qui peut gagner avec la police. Chacun est responsable de ce propos. Pour réaffirmer encore, l'opinion sous section 12 de la Constitution, et si vous venez arrêter moi pour ça, elle prend advisor de pipi avant. Et aussi, vous faites un appel à la législateur. Le popa, mon camarade, je cause popa, t'allais là. Et une limitation période de 2 ans. Et vous pensez, si. Vous ne pensez même aussi, si vraiment il y a un démocrate dans le gouvernement, il y a une bonne chose dans le gouvernement qui s'y est, bien, extende le popa, amène la même limitation période comme au droit civil de 10 ans. Pas venir mettre une time limitation période de 2 ans, et qu'on amène une longue et surtout, une mafia qui trouve de la force policière. Qui get away with prosecution. Nous marquons une pause, 18h30 déjà sur Top FM. Juste après ça, nous pouvons l'entendre pour un auditeur intervenir au sujet du jour, donc arrestation de Rama Vlaiden, décentré 77-77, DN3-7777. Nous pouvons aussi, non, tout juste après, Rajan Vlaiden en ligne avec nous. Le laboratoire médical Procare vous propose un bilan de santé général pour seulement 700 roupies pour un temps limité. Nous offrons également des services de prise de sang à domicile à travers l'île. Laboratoire médical Procare, Ramdani Building Forestside et Santa House au Coulé, en face de la station service Shell. Nos lignes téléphoniques sont ouvertes de 6h30 à 20h30 tous les jours. Appelez-nous au 660 60 60, 660 60 60 pour plus d'informations. Presenting Girnar Detox Desi Kawa. Tea with a twist. Sip it along with the rising sun or savor it after a long run. Your respite during a hectic day or when you're in the mountains far away. Finest of green teas, herbs and spices. Gives flavor that's twice as nice. Detoxing now made easy. Just dip and sip. No wonder they say Girnar. My chai, my time. Biden, bonsoir, bienvenue dans Radar Les Peps. Bonsoir Marvin, bonsoir José, bonsoir Neil Kant. Bonsoir. Et merci pour l'opportunité aujourd'hui pour intervenir Marvin. Et me penser d'abord, mon bizarre, répond un peu de ce qui José Mort, il a tout à fait raison pour dire à nous qu'il ne faut pas guetter chaque événement en isolation. Il y a beaucoup de choses qui peuvent passer, il y a beaucoup de choses qui finissent de passer. D'ailleurs, depuis 2015, moi j'ai écrit la mise en place un nouveau système. Et aujourd'hui, nous trouve le fruit de sa mise en place là. Il n'y a pas de date d'aujourd'hui ou de hier, mais c'est une affaire qui peut installer depuis très longtemps, mais à cause de la population pas fin porte attention. Et bon, là, ce qui m'a fait trouver, ça va le dernier temps là, ben offense. Qui fait une clique au maître, c'est pas la drogue, c'est pas délit violence, c'est pas vol, c'est pas meurtre, mais nous peut trouver beaucoup de gens qui peut acquiser, qui peut arrêter pour un crime de lèse majesté. Mm-hmm. Et ça, les graves, c'est un signe infaillible. D'ailleurs, nous finissons plusieurs fois à cause de la nécessité qui fait, nous pose la question. Qui fait fin créer SSI, alors qu'il déjà en a suffisamment d'éléments et de d'équipe. Et ils ont dit, coïncidence, il y a un policier lui-même qui dit, il peut dire moi, tourné, mais SSI là, il avait rappel à Schutzstaffel de Hitler. Right? Le SS, peut-être qu'il stand for Schutzstaffel. Et nous comprenons, nous connaissons
comment Hitler fin servir ça, et tout fin faire dans la légalité, hein, même à l'époque, même le Holocaust fin faire de façon légale, l'extermination bandimoun, expropriation, tout fin faire d'une façon légale. Et un autre policier qui même diamant lui ressemblait un peu la garde prétorienne de l'ère romaine, qui au service de majesté ou comment Neil Grant appelle lui Fantomas, right? Mais c'est ben si infaillible d'une décadence, c'est un si infaillible de la dictature. Et même pas pour surprendre, si un jour mon levé grand matin m'a t'a dit fin suspendre la constitution ou bien fin décrète un état d'urgence permanent. Right? Bon, bien sûr, qui peut bien, bon, mon capable pas être exagéré, mais là quand on arrive, mon parcours qui nous capable contre tout à fait, comment dire, nous capable néglige la façon de faire de sa gouvernement. Et moi aussi content que mon camarade Neil Kant fin résoudre moi loin de quelque chose qui m'a fait dire depuis pas mal de temps qu'il ne faudrait pas ridiculiser Pravin Jagnat ou réduire-li à une caricature. Il y a un dimoun qui bizarre prend au très très sérieux. Parce qu'il m'a fini de dire, livré, fini dans chaque gouvernement, dans chaque pays et dans un entourage, mais the ultimate person pour moi, il appelle Pravin Jagnat. Right? C'est lui le premier ministre du pays, c'est lui qui vous apprend l'entière responsabilité de tout ce qu'il dit et fait et qui arrive dans le pays. D'ailleurs, lui-même, c'est lui-même qui vient dire la mafia finit infiltrée partout. Right? Nous, bizarre aussi, ils ont dit, rends-nous compte une petite chose qui nous pas qui peut-être lui passe trop facile, on va dire, dans les tomes de l'oubli. Je m'imagine que c'est dans une prosecution commission aujourd'hui qui soit arrivé. Je m'imagine que qui ça même dit monde, ça même Manish Gobine, comme il faut finir nos salantennes avant que fin cause l'obsolescence de certaines bandes de la loi, comme la diffamation criminelle, sédition. L'India ça manque quelque chose à archaïque, bizarre enlevé. Mais là c'est grave. Quand nous arrivons, moi je pensais nous tous le fond, moi réaliser qu'il y a un double fond. Mais merci Marvin pour souligner l'agissement Premier ministre hier qui me condamne le ton et la teneur de la façon ce qu'il fait alors l'inauguration ça on point une petite là quand il finit profiter pour défouler des journalistes. Mais ça ne va pas se prendre aucun problème s'il y fait ça dans un trust, dans un congrès, en tant que chef de tribu ou leader du MSM. Ça, c'est ce droit. Mais en tant que premier ministre, quand un dimoun, quand un journaliste me pose une question, ou ce qu'il y a ou pas connu, mais quand il y a une challenge déjà, la réponse ou l'argument de ce journaliste, là, il montre une affaire qui est bien claire et très intéressante. Quand il dit est-ce qu'il vous connaît, est-ce qu'il vous sait, est-ce qu'il vous connaît qui statement il me donne, mais d'abord, quand il pose question, il dit il n'est pas capable de répondre à l'ICAC, il n'est pas gain accès à sa bande d'informations-là. Mais quand il fait une challenge, ça veut dire qu'il est au courant de bande statement qui vient de donner à l'ICAC. Et là, il fait nous très perplexe. Donc, tout ce qui peut passer. Et comment ça va un journaliste à gagner l'information? Comment l'information publiée dans le journal? Comment l'ICAC examine, challenge ça va l'information qui est publiée là? Et moi, je connais, il y a beaucoup d'informations qui peuvent sortir dans l'ICAC et les pas à travers le cellule de communication et ces bonnes affaires qui peuvent être délibérées, qui font. Ouais. Et l'autre affaire qui m'a noté dans sa déclaration là, il fait nous rappel qu'il est ministre de l'Agriculture et qu'il finit aussi d'un bon terrain à bail et qu'il n'est pas tout ça, aucun problème. Et pourtant, si nous prenons pendant 55 ans, nous... Non, Radjen Van Aiden, il n'y a aucun problème d'un bail. D'un bail. Mais qui on prend bribe pour d'un bail, là, il y a un problème. Non, non, laisse-moi finir. Il n'y a pas question de... Il y a beaucoup de bail qui n'y a bail. Depuis 55 ans, nous l'histoire du pays. Il y a beaucoup de monde qui a gagné. Au fait, le terrain dans ce pays-là a fini partagé, comme on dit, à cœur de Tartari. Ça peine un parti politique qui jamais fin dit une cause de festival la terre. Même le MSM, quand il est dans l'opposition, il finit une cause de festival la terre, scandale, corruption. Mais quand je viens dans le gouvernement, je dis, oh non, perception ça. Ça veut dire que nous dépensons pas centaines de millions dans l'ICAC pour y avoir perception. Right? Mais là, nous dépassons tout bas de bon quand un premier ministre
les vins challenge bandits et me très remonté contre bande journaliste aussi, contre bande responsable de rédaction, contre bande patron de presse qui prend des bouts pour défendre sa bande journaliste là et condamne sa ton qui finit sa vie pour le premier ministre. Le premier ministre pas oublié quand il se fait dire, il ministre de l'agriculture, il se cabinet, après il ministre des finances. Et pas oublié, c'est même l'époque qui nous fait causer là. C'est même l'époque qui donne M. Padgo la terre de Rivière Noire. Terrain qui peut occuper par M. Franklin, terrain qui amène, reprend. Alors qu'ils ont dit, peut prendre terrain à une organisation culturelle, le grand, qui n'est pas fini de développer. Mais explique-moi depuis 2003, mais comment ça mène les autres terrains-là, et il prend beaucoup moins des autres questions qui méritent une réponse. Mais aujourd'hui, suite à ces déclarations qui parviennent d'Arna, il y a une seule question. L'eau concernant les affaires Manish Goubine. Les dire qu'il n'y a aucune allégation, il n'y a aucune déposition qui ne fait contre Manish Goubine. Mais explique-moi, dans le cas monsieur Ivan Colendabello, il se fait dire qu'il y a un papier qui suit à un rapport de BAD. Right? Mon papier dit lui, montre-moi un rapport au BAD. Moi, je dis lui, montre-moi ce couvert de ce rapport-là. Parce qu'il me connaît, et lui, je le connais, que ce rapport-là n'a pas existé. Alors que toute la presse tout le temps finit dire qu'il y a une base, un papier, fin mettre Colendabello dehors, fin révoquer. Rapport bas de la même pas existé. Radjan Valaïden, si vous permettez-moi, ajouter, je ne pas connaître qui l'information est dans l'eau-là, mais l'information qui moi, moi, dans l'eau-là, nous est dans l'eau-là, c'est qui du moins, l'eau, sa papier qui fait une présente à Ivan Colendabello-là, nous ne pas connaître qui l'eau aussi, mais seulement une mettaine lente de bad et que peinant aucun signature l'eau-là. Oui. Non, je peux dire, moi, je peux confirmer la bad jamais fin faire un rapport. Mais comment, jamais fait une enquête, mais comment les capables une base qui, le rapport qui BWC communique avec. Nous devons faire bien la différence. Mais seulement pour revenir à nos débats aujourd'hui, nos discussions, et ça, la situation dans le pays, je pense qu'il faut dire où s'il hésite, faut, pour ne pas gagner un salaud à brûler là pour 4 pays. Il y a une situation très dangereuse et dernière affaire qui me tient content, qui dit mon commence révolte. Qui, c'est pas, nous avons une évolution. Nous avons envie qu'il y ait un sens qui tourne. Beaucoup disent que c'est sans système, sans politique, sans quoi là-bas. Mais ce qui peut arriver, s'il continue à faire comme ça, si le commissaire de police, son allégeance, c'est pas envers le pays, mais envers le gouvernement ou le chef du gouvernement, nous pouvons avoir beaucoup de problèmes dans ce pays-là. Et si le premier ministre et le gouvernement ne ressaisissent eux-mêmes, et respecter la démocratie, respecter ban commence quand je pique aux institutions, je veux même qu'ils puissent respecter ban institutions là avant. Parce que sinon, ce qui peut arriver, tout ça ban l'épée qui je peux mettre le sac la tête ban Diboun, sac ban là pour penser à ban l'épée là pour faire ça venir une guillotine. Et l'histoire pour répéter lui-même. Merci, Mavin. Merci beaucoup, Radjan Valaïden, pour votre intervention. Donc, Maître José Moi, vous venez tenir quand même ban propos de sa l'émission là. Est-ce qu'il y a une crainte quelque part d'en haut par rapport à ce qui n'arrive vraiment à Valaïden, surtout à ce qui Nilkan de l'India qui paraît-il est une hit list de quelques avocats qui pour arrêter lui-même l'IPEDIA qui est une côte une chose qui est capable de mettre contre lui et faire l'enquête pour perverting complot conspiracy to pervert the course of justice contre la police n'advise prosecution. Donc est-ce qu'il pense des fois avant ou causer à ce terme? Je pense que je des fois avant de me causer parce que moi, je m'engage pour défendre la vérité, je m'engage pour défendre les bandes qui sont plus faibles, je m'engage pour défendre les bandes qui sont persécutées. Oui, pas pire. Donc, je pense que non, il pour pire. Oui. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, quand nous dire système bisensensé, là, je dis que mon camarade Radjan nous signe, revient l'eau là. C'est tout un arsenal qui finit de mettre en place pour qui aujourd'hui ou gain ça le premier ministre les comédiens il y a sur genoux le nous les coups right mais ou besoin démentir ça ou besoin défaire tout ça là quand nous j'ai système mis essentiel ou besoin capable défaire tout ça là nous connaît contre une place sur ban pion contre une place sur ban affaires pour qu'il soit capable d'agir comme il peut agir aujourd'hui là. Donc nous besoin défaire ce système là, c'est à cause de ça qu'il nous dit système là bien sensé. Maintenant moi pour revenir là ce qui m'a dit là, elle a loin encore qu'il passé
qui dit qu'on oublie, prendre mes dents coin là, c'est la loi, l'eau, ban radio privée. Mm-hmm. Ou pour trouver, marqué gardé, ou pour trouver pendant les élections, que manière pour servir habillé, pour servir ça la loi là, contre ban radio privée. Et c'est la loi qui pas uniquement habillé, dit pas la, l'instance régulatrice uniquement pour ban radio privée, ni l'instance régulatrice pour la MBC aussi. Est-ce qu'il dans la MBC il y a une balance dans l'information. Mm-hmm. Une mesure précisée, parce que ça capable de saisir à bonne interprétation l'instance régulatrice à IBA qui au fin de causer, ou peut causer l'autre policy decision qui fin de prendre, ou pas peut, à vrai dire, émettre bonne critique l'institution là, l'autre façon qui les peut faire, ou peut causer l'autre policy decision qui gouvernement fin de prendre pour sens en la loi. Nous apprécions ça. Une régulation. Non, je connais parce que oui. Selon les affaires qui ont vigueur, point oui, point non, Mervin, avant que je passe mon collègue la parole, je rappelle loin des affaires. Je rappelle l'affaire l'ancienne présidente de la République, Mme Garrigue Parkim, l'ON l'est anonyme. Oui. Tchadjir. Et après qu'il nous tendait l'autre anonyme là. Après là, nous avons découvert qu'il est là en vérité pas anonyme. L'État finit écrire dans le bureau premier ministre même. Qu'arrivé, ça, là, c'est dans sa situation là que nous étions là aujourd'hui. L'ON président donc, de la République. Si vous dites moi comme ça pour gagner paix, ben nous arrêtons de vivre, papa. Ouais. Vous connaissez qui était ça? Si c'est ça, vrai, un complot contre une présidente de la République. Vous connaissez que ça veut dire ça? Un complot contre la présidence à travers un l'État anonyme. Oh, oui. Moi, l'État anonyme pas riche, moi. Vous connaissez ce que je veux faire? Pourtant, moi, un petit directeur qui vous là, aucun l'État anonyme pas riche. Moi, je termine ça avec un seul affaire. Un l'État anonyme riche, toi? Je pose vous une question. Parce que normalement, quand nous venons à un plateau, l'animateur pose une question. Allez, cause. Mon tour, le Premier ministre commence à poser par les journalistes question. Moi, je me pose une question à l'auditeur. Dis-moi un cas. Côté le Special Striking Team fin agir côté un membre du gouvernement impliqué. De moins. Bonjour José. Nous ne sommes pas capables d'assister comme un lame duck quand nous trouvons sa qualité dealings hors la démocratie et la bonne gouvernance. Et moi, j'ai un challenge à l'équipe SST. Si vraiment vous avez une information que vous pensez, vous méritez, faites l'enquête et SP Jagai. Fais l'enquête de l'affaire Kisnen. Fais l'enquête avant la prochaine élection générale. Montrez-nous vos capacités à faire l'enquête. Et amène ça du monde qui finit faire sa meurtre Kisnen là, to justice. Mais l'enquête principalement, l'eau, la drogue, non? SST? Enfin, moi, pas qu'on soit attribution officielle. Pas qu'on soit attribution, il dans son nom. Strike! Fais l'enquête de Kisnen. Il pour strike, lui. Oui, il fait pas saisir la drogue. C'est ça, c'est qui nous trouve. Non, c'est le cas de Roman Valadé n'a rien à voir avec la drogue. Oui. Absolument rien, rien à voir. Ça, c'est perverting the course of justice qu'il peut dire par rapport au travail qui striking team l'a mené. Ça n'a rien à voir parce que... Sur lui, il y a une affaire. Sur quand tu sais que les gens ont l'opinion sur les signes, le bande d'affaires cuivre. Il finit faire striking team même ça. Oui. Aujourd'hui, c'est le signe politique de l'opponent du Premier ministre. Donc, moi, je pense, moi, si vraiment, c'est ça, moi, capable de faire quelque chose, parce que l'enquête d'un bouse fixe, montrez-nous votre capacité, montrez-moi votre capacité. Ce n'est pas de la provocation, c'est un challenge. Faire l'enquête dans l'affaire Kisnen. En tout cas, l'affaire Sérissing, moi, encourage tout ban institution qui est non au sein du gouvernement à faire l'enquête de Sérissing. Nous disons la vérité, tout ça va cuivre là. Ça nous connaît la vérité, ça. Mais ce qui nous dit, ça a démontré qu'au-delà de la drogue, il y a enquête l'eau, les autres affaires, parce qu'il y a fait des centaines très, très doués, une saisie avec cuivre, tout ça là, encore 23 tonnes, tout ça, 20 affaires là. Et non, un collègue ou parti qui a envie d'intervenir en ligne, là, je sais moi, encore c'est Rauf Kodabakos qui est avec nous, Yann. Allô? Il y a Rauf Kodabakos, bonsoir. Bonsoir. Oui, nous écoutons. Non, c'est-à-dire, moi, pour écouter cette émission, moi, j'ai envie, comme à dire, amène mes contributions dans ce qui m'est passé ce matin, oui. Avec l'arrestation de Rama Valaïden. Il y a à peu près un mois de cela, la police, ça vous est bien net, qui dit, vous avez une caserne, et il y a une déposition qui vous a, une question qui vous a posé, ça vous est bien net. Et dit, allez, tranquille, oui. Dit, allez, répondre à ma question. Plus
plusieurs fois, la police, il téléphone moi personnellement, il me demande, bizarrement, Karen, et moi, j'allais tranquille pour faire mes dépositions. La police, il me demande, la carte, quand il arrête moi, mon location, la police, il me fait ça d'une façon civilisée. Mais là, ça gagne temps, là, nous pouvons trouver que la façon qui Pravin Jagnat dirige sa pays, là, la façon qu'il peut servir un groupe de la police pour aller pour penser le bal opposant du régime, mais elle commence la population commence à poser des questions. Là, actuellement, je vais vous dire que nous avons une radio qui est stricte, une affaire stricte au niveau de l'instance régulatrice à respecter. Vous pouvez faire un lien direct entre Pravin Jagnat et l'équipe au niveau de la police. Donc ça, non, c'est-à-dire, quand on peut dire, on prend mon responsabilité, oui, comme on dit, Pravin Jagnat, les responsables de la police. Ouais. C'est lui, les chefs de la police. Oui, oui. Et ça, tout le monde dans le pays connaît. Tout le monde dans le pays connaît. Ça, il se gratte, il mette là. Et là, la même Pravin Jagnat, quand on prend mon responsabilité, on dit, vous pensez qu'il fait, il fait. Quand autour de l'arrestation, autour de l'arrestation plusieurs fois de Ramavalaïden, autour de l'arrestation de Nicole Dalou qui fait ses écoutes, plusieurs balles autour de l'autre. Nicole Dalou, ça m'a arrêté. Donc fais attention avant de provoquer qui vous pète. Non, arrêtez, mais une finale, tu peux arrêter, tu gagnes menace de la part de ça. Bon, donc ça qui m'a fait dire, il y a une colère extrême dans la population. Dans une brousse qui me passe les autres. Ramavalaïden, il y a du monde qui me fait tomber malade. L'in parle que le docteur hier pour son traitement médical, il finit un certificat qui dit il y a un traitement. L'in informe la police, sa grand-mère. Son madame, il informe la police. Donc, est-ce que nous pouvons vivre comme ça dans ce pays-là? Ça veut dire que nous ne pouvons pas critiquer un gouvernement sur une décision qu'il peut prendre. Nous n'avons pas le droit de critiquer la police. Et ce n'est pas possible. La population peut souffrir avec la drogue. Et ça, l'équipe qui n'a pas arrêté à ma valeur, elle n'a pas arrêté la dernière fois. Aujourd'hui, je n'arrêterai pas la donne. Je ne peux pas dire que c'est la drogue. Je ne mettais pas arrêter ban opposant politique. Il clair et net ça. Aujourd'hui, il confirme aujourd'hui qu'il prend une jagnate. Il est à la base de sa harcèlement des ban opposants de la police. Là. Parce que quand on a une équipe de Diao comme ça, nous ne parlons pas d'ordre du pipi. Nous connaissons dans le passé. Fini dans l'autre groupe, plus pire qui ce groupe là. Nous connaissons la population, connaît comment je mal fini. C'est dans l'équipe qui fait plus pire, tu peux dire commissaire de police. Et commissaire de police, nous nous permettons du monde vivant, toi tu permets un cadavre. On appelle ça du monde pour rappeler ça qui m'a picoté. Moi du monde, déjà écoute-moi comme coché. Grand merci, moi encore vivant, moi connais beaucoup de choses qui m'ont caracosé, ce qui me passait dans le passé, ben je n'ai pas connu. Alors moi, je dis, la population en colère, la population perd confiance dans la police, la population a confiance dans la justice. Aujourd'hui, où tout Rama Valaïden, il l'orgue, sans qu'il puisse payer tâche, un cochon, sans qu'il puisse payer frais, la cour. Oui. Il y a quelques semaines, il y a la police, ça arrête tout bon dirigeant LPM, y compris moi ici. La justice, il l'orgue nous, sans cochon. Donc, je dis que ça va faire gobine là. Il permet tout ça, un problème là dans le pays. Parce qu'hier, Pravin Jagnat, nous trouvons, la population nous trouvons que Pravin Jagnat, il dépasse la ligne rouge. Quand il commence, maltraite ban journaliste, ban jeune reporter, lui qui peut poser question. Lui qui peut poser question, lui peut protéger son ministre pour la population. Écoute Radio Plus, écoute Top FM, écoute Radio One, lui à la gazette. Donc là, je ne peux écouter MBC. Quand on est dans ce mal radio, là, qui peut donner l'information. Et je ne peux pas prendre 150 ou bien avec nous, je peux donner ça gratis. Grand merci, je peux donner nous une information qui est bizarre dans ce pays. Là, si pas c'est naveux. Donc, mon remerciement de Radio Privée, mon remerciement de Topatam, mon remerciement de Mervyn Bitten, qui termine beaucoup mon éclaircissement devant la population. Voilà, c'est quelques mots, c'est qui me tient envie. Merci, Ralph Koudabaka. C'est un autre avocat. Non, c'est Pravesh Nakchedi aussi qui a envie d'intervenir. Pravesh Nakchedi, bonsoir. Bonsoir, Mervyn. Bonsoir, Neil. Bonsoir, mon camarade José. Et bonsoir à tous mes auditeurs du Top FM. Nous écoutons tout, nous prenons beaucoup les temps restés seulement, donc fais un petit peu vite. Mais oui, si vous demandez les temps, je suis capable d'intervenir sur trois volets. Allez-y, mais ne pas attendre trop longtemps. Ouais. Premièrement, Mervyn, mon envie cause la noblesse de la profession d'avocat. Si je redis qu'il arrête nos camarades Rama Valaïden, c'est parce qu'il fait une intervention d'une radio. Et que est-ce qu'ils ont dit par qui ils lient qu'ils peuvent the course of justice.
si nous avons l'histoire de l'île Maurice, Mavin, ou comme la contribution qui vient avocat fin faire dans le plan économique, plan social et dans le plan justice même, aujourd'hui, nous avons le Premier ministre qui est un avocat, son Excellence, M. Pravin Gumbadjaknad, le Président de la République, c'est un homme de loi. Auparavant, il y avait feu. C'est Nehru Jagnat qui était un avocat. Sur le plan international, il y avait Gandhi, Mandela. Nous, avocats, Mervyn, on veut faire ressortir quand nous exerçons nos fonctions, nous faisons avec toute dignité, conscience, indépendance, probité et nous avons une humanité. Et surtout, nous respecter les 20 termes de nos 20 serments qui nous viennent faire à la cour. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, quand on trouve un avocat qui n'exprime lui, qui nous donne l'opinion, un sujet réalité, un sujet qui est vrai, un sujet qui se tout peut trouver ça, l'île Maurice. Ou arrêter un avocat, ou faire lui passer une journée dans une enquête, passer la cour, à la fin compte, quoi? Pénal n'a rien. Il y a un homme libre. Deuxièmement, Mervyn, mon envie intervenir, l'eau, ça veut dire perverting the court of justice. Vous connaissez, Mervyn, comme on finit, sorti la cour tout à l'heure, là. Plusieurs personnes finissent un traitement en route, finissent des moments, c'est quoi sa chance perverting the course of justice? Peut-être beaucoup d'immunes et beaucoup d'auditeurs peuvent être intéressés pour connaître c'est quoi perverting the course of justice. Peut-être qu'on va des confrères fin élaborer dessus, mais mon envie de mettre un petit emphase un peu plus. C'est quoi perverting the course of justice? Tout à l'heure, là, moi, fin tendais mon camarade José, fin faire ressortir qui c'est suite à un amendement en 2018 qui fin introduire le provision du perverting court of justice sous article 298A du code pénal. Mais en termes communs, Mervyn, moi, il faut reconnaître que le perverting court of justice nous capable de dire un détournement du cours de justice. Façon qui, comment dire, où il y a une infraction criminelle quand une personne, par exemple, une personne cause un préjudice à une enquête, à lui-même ou à une tierce personne. Mervyn, là, moi, il faut ressortir qui est une newsletter qui DPP qui tirait en 2015, en mai 2015, c'est issue 47. Les films donnent l'exemple. Les films donnent l'exemple qui est capable d'être un perverting course of justice. Parmi l'exemple que les films donnent, Mervyn, les films disent quand vous falsifiez une preuve, quand vous faites une acte d'intimidation, quand vous faites une menace un témoin, ou soit vous faites intimide, ou soit menace un juge. Dans ce cas-là, Mervyn, les films en une infraction sous perverting course of justice. Mais néanmoins, Mervyn, comment on connaît le système criminel à Maurice, c'est les prosecutions qui bien prouvent que l'accusé finit faire sa offense. On appelle ça un test beyond the prosecution must prove it beyond reasonable doubt. Ouais. Mais là, quand on arrive sa offense, quand on get nous avons un bel précédent à Maurice, mais quand on get un précédent, la prosecution pour bien venir prouver où, quand, pourquoi, comment l'infraction finit être faite. Et dans le terme légal, les pour bien satisfaire cette critère. Ou, excuse-moi, professeur, tu dis, il arrive déjà 19h là, donc vous avez rapidement fini ou intervention. Ou troisième point, c'est quoi? Le troisième point, Mervyn, c'est le conflit d'intérêts, Mervyn. Le matin, Moti avec Maître Mavalaiden depuis 9h. Et peut-être, José, pour qu'il nous fasse ressortir, nous finissons soulever un point de droit. Un point de droit ou pas capable. Un membre du Special Striking Team vient de donner une déclaration. Et même l'équipe vient faire l'enquête. Il y a l'exemple de nous, Mervyn. C'est comme si que tout à la radio, un ou un camarade journaliste vient faire une complainte là-haut, et sa camarade là m'assiste d'un beau disciplinaire pour Jésus. L'inacceptable. Et quand nous faisons un enquêteur, que nous pointe des droits, je dis à nous, je pas pour prendre nous compte. Nous dis à nous, référer cette affaire-là à DPP, je dis à nous, je pas pour référer ça au DPP. Mm-hmm. Mais quand l'enquêteur dit ça, je dis, pas pour référer ça à DPP. Et peut-être mon camarade José Moore est capable de confirmer ça. Mm-hmm. Et quand nous venons la cour, nous faisons nos motions à la cour, maître Pangleuse fait ressortir à la cour aujourd'hui. Qui c'est qui la police vient dire qu'ils n'ont pas pour faire ma tête, tu dis pipi. De l'autre côté, nous trouvons nos camarades prosécuteurs. Lui, il est 20 points de droit, lui aussi, il dit il faut bien refaire ma tête, tu dis pipi, for a stand. Which is which, Mervyn?
Donc pendant l'enquête, vous êtes pas capable de faire du pipi. Après ça, ou même vous venez pour y faire du pipi, mais faire une duplication. Gaspiller ton la cour. Gaspiller ton avocat. Donc voilà, merci beaucoup Pravesh Nakchedi pour sa intervention là. Ma question pour vous, après tout ça, un point légal là, ne pas vous répéter nous, ce qui finit déjà, fini causé, je dis moi, mais le sa litige qui est non, sa polémique, controverse qui est non autour du Special Striking Team, autant qu'il me rappelle, Rama Valaiden, LPM, et quand les autres dîmes, c'est déjà comme ça, qu'ils étaient fiers en l'enquête le Special Striking Team, et qu'ils étaient un élément quand même qui est très grave et qui bientôt, je peux faire une conférence de presse pour faire une révélation le Special Striking Team. Mais ça, jamais, il finit sa conférence de presse là avec sa bonne révélation là. Est-ce qu'ils se comptent toujours pour aller de l'avant avec ça? Pas est-ce qu'ils sont même capables la source un petit peu des ennuis? Pas capable parce que Rama Fine tombe malade, premièrement. Deuxièmement, c'est aussi la base de la déclaration qui Rama Valaiden tu fais le radio vendredi dernier. Donc, l'information là, nous est allée, nous gagnons régulièrement. Mon Dieu, c'est ça qui me permet, mon Dieu, aussi, que la police aujourd'hui est divisée. Il y a une partie policière qui n'a pas d'accord la façon de faire, n'a pas d'accord avec la façon de procéder, je n'a pas d'accord avec sa Special Striking Team là même, parce que c'était l'équipe qui, comment dire, met sur la main un peu partout, lui. Ok? Personne ne connaît quand, là-dessous, là, je l'ai tout stalking team, il allait faire arrestation là-bas, vini. Donc, la police divisée, l'eau, ça y joue. Mais over and above ça, et ça, la loi, perverting the course of justice, là, il y a un problème de la façon que la police peut servir. Parce que mon Dieu, elle est là, qui a aussi le Police Officers Protection Act. Ça veut dire, si la police peut faire ce travail, et qu'il peut interférer, ou peut obstruct, ou peut faire des choses qu'il n'est pas capable de faire ce travail, il y a la loi pour ça. Mais qui fait pas servir Police Officers Protection Act, peut servir Perverting the Course of Justice. Parce que ça, c'est une espèce de la loi qui, pour nous, à cause de ça, nous contestons sur constitutionnalité même, ça, la loi. Oui. Là, parce que c'est une espèce umbrella qui, là-dedans, on est capable de venir ou dire ce qu'ils ont envie ou arrêter. Comment me dire où? La raison qui fait que je peux servir ça, c'est parce que je voulais faire la population paix. Je voulais instaurer ça. Comment dire, mon Dieu, tu es là, je dis, nous, les coups, et à sa coûte, je te fais une arrestation, je pèse nous l'un petit peu plus. À sa coûte, je pourrais arrêter quelqu'un, je pourrais payer, je dis, nous, un peu plus, les coups, les peuples mauriciens. C'est ça, la stratégie. Faire tout du monde payer. Faire tout du monde, aïe, moi, je ne vais pas un problème, moi, je ne vais pas. C'est pour ça qu'il était là, il pose-moi la question, est-ce qu'il ne va pas payer pour me causer, là, c'est qu'il ne va pas dire, c'est qu'il ne va pas payer. Mais nous, dans un pays démocratique, qui ken bizen fait sa travail là pour causer pour dire qu'il y en a qui paye. Sinon le peuple là il pas pour sortir, il pas pour dire ça lui. Même si vous montrez moi critique un journaliste qui un auditeur qui un citoyen lambda, lui a envie causer lui bizen qui a droit causer un dimoun, lui prend ce port côte, il a envie manifester lui bizen qui a droit faire lui. Nous gain un pays de droit, oui. Nous pas capable c'est face à un climat de terreur et que nous gain droit pose bonne question pour connaître si pas il met certaines l'équipe qui pas connaît comment je travaille mais qui suivent ben c'était l'autre vous voyez quand arrive ben affaires comme ça les nous devoir de cause les nous devoir de connaître parce que la population qui a un gouvernement qui se fausse policière sa responsabilité c'est qui protège sa population là montrer lui qui peut vivre dans un environnement une atmosphère qui sécure et non plus ou mettre doute dans la tête ou mettre la frayeur dans la tête parce qu'il sait qui peut arriver là est-ce qu'il dit pas pour finir par capituler sous sa frayeur là ou un avocat ou peut dire comme ça qui ou peut en crainte c'est ou devoir ça ou connu droit fondamental mais dans la mentalité de plusieurs dimoun ça risque de jouer un rôle José moi nous bien terminer là moi yes. Moi mon engagement mon cause pour autres mon réaliser qu'ils ont pas pour pas causer mon réaliser qu'ils ont pas pourquoi pas venir au plateau pour venir dire ça pas affaire là mais moi mon besoin faire les pour autres mon faire les aux autres les autres non moi exprime moi les autres non moi pas exprime moi le mot non. Je ne peux pas engager en politique pour moi personnel, je peux engager en politique pour les peuples.
Donc ça, il appelle les peuples mauriciens. Mais il y a pourtant qui les peuples comprennent, qui droyent dans ce pays. Non seulement les constitution dire qui sa section 12 là dire la liberté d'expression. Non seulement les comprennent, autres causes li dans travail, autres causes li dans la case, autres causes dans l'église, autres causes dans bazar, autres causes li dans salon coiffier, autres causes li partout. Mais c'est pas pour venir au plateau pour cause. Et t'as là mon dieu une affaire. Mon pose une question. Donne-moi une arrestation qui Special Striking Team il fait que le membre du gouvernement impliqué. Donc peine. Donc mais dit sa perception qui sa Special Striking Team là, il fin monté uniquement pour attaque ban opposant politique. Sa perception là, il est légitime. Nous merci José Moore pour participation dans sa l'émission là aujourd'hui. Nous fini avec Neil Kant Delou qui monsieur n'a quelque chose pour dire par rapport à ce qui peut arriver et à ce qui lui-même lui pertinent. T'as là on dit comme ça qui déjà une filigrane d'information qui finit advice pour qui arrête tout ou bien interroge ou under warning pour complot ou pervert the course of justice. Mais quand on sortit la case par rapport à où une famille vous connaissez ou un petit enfant ou une madame tu vois là, mais comment ça passait connaissant qu'il n'importe quand une affaire capable arriver. Est-ce qu'il a en ce moment par exemple aux enfants et qu'au madame la case je te sens tracas? Non, je pas la case, je mon bodyguard actuellement aujourd'hui, je vous en moi avec une équipe de sécurité parce que je te paye pour moi et que je connais à n'importe qui moment pour une conspiracy tu peux avoir the cause of justice contre moi parce que nous ban enquêteur chevronné de la force policière qui t'y découvert qui s'était suicide dans qu'est-ce qui se après qui nous l'enquête une découverte qui meurt in advise pour poursuivre moi for conspiracy to prevent the course of justice. M'adresse moi une dernière fois aujourd'hui à la population mauricienne. Moi pas trop différence entre la MBC et nous ban confrères, permettez-moi de dire et les affaires. La MBC confrère et nous ban confrères MBC et télévision North Korea, il n'y a aucune différence. Je suis un journaliste qui travaille à la MBC et je connais la souffrance qui un journaliste North Coréen peut souffrir et je sympathise avec d'autres familles. Deuxièmement, je prends avec much concern, très très grave, pour un premier ministre, avocat de surcroît, vient à la télévision nationale, vient dire qu'il a jamais dans ce corps avocat, l'intent planting. Si vraiment il est sincère dans ce qu'il vient de dire, qu'il n'y a jamais dans ce corps d'avocat, l'intent planting, mon conseil, arrête de diriger ce pays. Merci. Nous venons d'arriver à la fin de ça, l'émission-là. Donc, lundi, nous pouvons l'ON, l'émission, le droit fondamental de Ban Mauricien, la liberté d'expression. Est-ce qu'il nous peut faire face à un climat de frayeur? Est-ce qu'il nous peut vivre la tête reposée en sachant qu'il nous est là? Une police qui se respecte, qui peut protéger nous. Autant de sujets qui nous pour aborder dans Tempo Larchou lundi. Merci de votre écoute et très bonne soirée, très bon week-end à vous tous. Merci José Moore, merci Nikan Delou, merci Rajan Valaiden, merci donc les deux autres intervenants, M. Koda Bakus et aussi M. Maître Nocteli qui finit d'intervenir dans l'émission-là. Nous sommes arrivés à la fin.